à nous regarder. Hein, donc, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et n'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long du live. Alors, je te propose tout simplement de commencer par la petite présentation habituelle. Hein, ouais. Voilà, rapidement, en 3, 4, 5 minutes. Qui es-tu? Quelles ont été un petit peu les études que tu as pu faire dans la vie? Tes passions, ton travail, de manière assez rapide pour que les oui, gens... Oui, bien sûr. Je vais pas faire une biographie. Je te laisse la parole. Ouais, super, merci. Du coup, donc, je m'appelle Amandine, j'ai 32 ans. J'habite sur Strasbourg, en Alsace, enfin, depuis une dizaine d'années. Maintenant, je suis arrivée en 2012. Au niveau de mes études, j'ai un bac pro secrétariat. J'ai eu pas mal de périodes de battement. J'ai fait de la fac, je suis allée en sociaux. Enfin, je trouvais pas trop ma voie. J'ai fait un service civique chez Unicité en 2012, où bah, y a eu un premier circuit touristique pour des personnes à mobilité réduite. J'ai fait partie du programme Unicité, Rêve et Réalisme chez Unicité, pardon. Ensuite, j'ai pu enchaîner sur un BTS tourisme. C'est ça qui m'a, voilà, qui a, donc le service civique a permis d'enclencher le BTS tourisme. Donc, j'ai fait 2 ans d'études où là, il y a eu un autre circuit touristique sur une période de stage dans les Vosges chez mes parents. Après le BTS, que j'ai loupé à peu de points, je suis repartie dans l'administratif. Et là, actuellement, je travaille à l'ESEIS, l'école d'intervention des métiers du social à Schiltigheim en tant que chargée de, enfin pas chargée, mais comment on appelle ça, assistante de formation, pardon. Et je m'occupe de la sélection des moniteurs éducateurs. Et donc, en septembre 2020, j'ai créé Roulette et Voyage, vraiment, parce que c'est un projet que j'avais dans la tête depuis le service civique. Et donc, j'ai profité de ma période de chômage pour lancer vraiment Roulette et Voyage. Et donc, à partir du mois de septembre, j'ai eu un partenariat avec une école sur Strasbourg, l'ECM, où là, j'ai demandé à des étudiants de me reprendre le logo, de créer le site internet, flyer, carte de visite. Ok, super. Donc, on reviendra un petit peu plus tard sur ça, justement. Ouais. Moi, j'en profite juste avant qu'on enchaîne. Donc, tu étais chez Unicité. Ça s'est bien passé chez eux, puisque je connais bien aussi cet organisme. Ouais, c'était une super expérience pour moi. Ils ont fait le plus d'adaptations possibles par rapport à mon handicap, parce qu'à l'époque, ils étaient rue du 22 novembre au 6e étage. Sans ascenseur, donc quand on est en déambulateur, c'est légèrement compliqué. Du coup, voilà, j'avais mon parrain sur le projet, c'était le directeur de la banque Barclays, Place Kléber, qui m'avait aménagé un petit bureau avec un téléphone et on faisait des points régulièrement sur l'avancée du projet. On se débrouillait comme ça, les réunions d'équipe, ils ont loué une salle à Cronenbourg dans le centre socioculturel. Enfin, tout était adapté. Je ne regrette vraiment pas cette expérience. Oui, je connaissais aussi le local dont tu parles, qui effectivement était un peu problématique en termes d'accessibilité. J'ai dû y aller 2 fois. Les copains, ils m'ont porté dans les escaliers. Enfin, c'était une aventure. Alors, bah, je te propose qu'on continue un petit peu sur toi. Et avant de parler concrètement justement donc de ton projet d'association, il faut qu'on parle des voyages, puisque si je ne me trompe pas, ouais, tu es une grande passionnée de voyages. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu justement nous dire qu'est-ce qui déjà t'a donné envie de voyager, et aussi quels ont été les pays, les endroits dans lesquels tu as pu aller? Ouais. Alors, mon premier voyage, j'avais 12 ans, c'était l'île de la Réunion, c'était pour aller chez mon oncle. Et donc, c'était le gros baptême du feu, 11 heures d'avion, j'ai jamais pris l'avion, je savais même pas comment ça se passait. C'était une grosse aventure déjà. Ensuite, j'ai fait le Maroc plusieurs fois, donc là, j'étais toujours accompagnée de mes parents. Mes parents qui adorent bouger à droite, à gauche, qui font plein de choses. Il y a eu le Maroc 2 fois, c'était Casablanca, Agadir. Donc là aussi, on a pu voir avec le déambulateur, le fauteuil à l'époque, les premières galères aussi d'handi voyageuses.
On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la Corse. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Je suis allée en Belgique, à Berlin, en Allemagne. Enfin, voilà, il y a plein de petits voyages comme ça. Et ce qui m'a donné envie, déjà, c'est l'ouverture, aller vers les autres, découvrir des nouvelles cultures. Et puis aussi voir comment au niveau du handicap, ça se passe ailleurs. Bah justement, comment ça se passe? C'est quoi, on va dire, parmi tous les pays où tu as été, quel serait pour toi le pays où tu considérais que ça se passe bien mieux qu'en France? Et à l'inverse, quel serait le pire pays pour les personnes en situation de handicap? Je pense que, bon après dans ma culture des voyages, je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de pays qui soient plus, voilà, plus avenants. Enfin, c'est une culture aussi. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, à Berlin, bon, c'est la capitale, j'ai eu aucun souci d'accessibilité. Je pouvais aller partout, il y a des ascenseurs partout, il n'y a pas de trottoir, c'est à hauteur en fait. Il n'y a pas de difficulté. Enfin, en tout cas, moi, sur la période où j'y suis allée, j'ai pas eu de difficulté d'accessibilité, de me retrouver bloquée, que ce soit dans un tram, dans un bus. Enfin, c'était pour moi, j'avais plus envie de rentrer, je me dis, je vais rester à Berlin, finalement, Berlin, c'est bien. Et voilà, les gens ne vous regardent pas non plus comme un extraterrestre. Tout le monde est habillé un peu de façon extravagante, et du coup, ben, passer avec un déambulateur, c'est presque quelque chose de normal. Bon après c'est effectivement c'est un peu la culture berlinoise d'être dans des trucs un petit peu justement très ouverts ce genre de choses, donc ça permet effectivement de peut-être de se sentir un petit peu chez soi, j'aurais envie de dire, quand on va là-bas, quand on est justement un petit peu pointé du doigt dans d'autres endroits. À Berlin on est plus on est j'ai plus même logé en auberge de jeunesse, et là aussi, aucun problème, tout était accessibilisé, la douche, l'accès à la chambre, enfin, c'est quelque chose que j'imaginais pas, surtout pour une auberge de jeunesse. Alors, pour ceux qui nous regardent, justement, et qui, après ce que tu dis, auraient envie d'aller à Berlin, qu'est-ce que tu conseillerais d'aller regarder, d'aller faire là-bas? Alors, il y a tout, le musée d'art moderne, il est vraiment pas mal. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Après, je suis allée surtout pour le côté historique sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait le mémorial de l'Holocauste. Bon, c'est impressionnant, mais là aussi, il y a toute l'accessibilité qui est prévue. On n'imagine pas que dans un monument comme ça, il puisse y avoir un ascenseur. Et pourtant, si, il y en a un. Voilà, il y a pas mal de petits restos vraiment sympas. C'est vraiment une ville que j'ai vraiment, vraiment appréciée, en tout cas. Si je pouvais y retourner, ce serait avec grand plaisir. Ok. Alors, donc on voit que tu as une grande passion à créer donc ton association Roule à tes voyages. Est-ce que tu peux nous dire justement quel a été peut-être le déclic pour toi de te lancer là-dedans? Et ensuite, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors, en fait, le Roule à tes voyages, c'est venu de toutes mes expériences de voyage qui sont un petit peu négatives. Un fauteuil perdu à l'aéroport. Par exemple, je suis allée en Corse. On nous dit c'est accessible sur le ferry, tout ça, ça l'est pas du tout. Donc, il y a aussi ce côté de dire aux professionnels du tourisme, attention à ce que vous dites, parce que ça peut être problématique. Donc, c'est parti de là, en fait, d'une envie de dire, ben, c'est pas parce que je suis une personne à mobilité réduite que forcément je dois être restreinte à ne pas voyager, à pas faire de choses. C'est pour ça, du coup, en créant Roule à tes voyages, ce que je voulais, c'était surtout, ben, dire aux autres personnes à mobilité réduite, vous pouvez voyager, vous avez accès au patrimoine touristique, il n'y a pas de problème. Moi, je m'engage à vous fournir quelque chose d'accessible, clé en main. Et du coup, voilà, Roule à tes voyages, c'est ça. C'est créer du circuit touristique. Bon, pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose d'alsacien, d'alsatique. On reste sur le territoire, mais j'aimerais bien pouvoir, dans plusieurs années, avoir d'autres antennes dans d'autres régions. Mais voilà, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du circuit touristique à la clé. Sur mesure, hein. Moi je vais proposer des circuits avec peut-être mes centres d'intérêt, des visites de musées, ce qui me plaît. Après aussi, si j'ai une personne qui vient vers moi en me disant, bah, je voudrais faire ça,
C'est aussi m'adapter à la demande de la personne et c'est aussi aller sensibiliser les professionnels du tourisme en leur disant, voilà, bah, face à une personne à mobilité réduite, il peut se passer ça, ça ou ça, et voilà comment on peut mettre les choses en place. Alors, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus justement dans le détail de comment ça fonctionne? C'est quoi exactement les parcours que vous proposez? C'est des parcours de visite ou c'est d'autres choses? Pour l'instant, on est vraiment sur du circuit à la journée. Donc, par exemple, il y a un des circuits, le circuit que j'ai fait en service civique qui est toujours utilisable, qui partait lui de Strasbourg jusqu'à Eguisheim où on avait fait une visite des caves Wolfberger. Donc il y avait le guide, enfin, dans la maison mère de Wolfberger, il y a un parterre vitré qui nous permet de voir ce qui se passe dans la cave. Et le guide fait sa visite commentée là, en fait. Donc, il n'y a pas de périple à descendre dans la cave avec un fauteuil. C'est le sol, il est vitré et on voit ce qui se passe en dessous. Donc, ensuite, il y avait un restaurant. Et après, on est allé au couvent du Schauenberg à Pfaffenheim, où on avait la visite du couvent et une super belle vue sur toute la vallée d'Alsace. Donc, c'est vraiment du circuit à la journée qu'on remet clé en main, en fait. Alors, la question que je poserais juste au niveau des circuits, est-ce que ce sont des circuits un petit peu traditionnels justement que vous essayez de repenser, ou est-ce que au contraire c'est à la limite des nouveaux circuits qu'on n'a pas l'habitude de se voir proposer quand on fait du tourisme? Alors déjà, je m'appuie sur les structures touristiques qui existent déjà, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir faire des choses un petit peu plus funky, un peu moins traditionnelles, ne pas rester sur des musées, mais essayer de proposer, alors, des activités qui seraient accessibles pour des personnes à mobilité réduite, quelle que soit la pathologie, mais aussi en garantissant la sécurité. C'est-à-dire que je ne vais pas vous emmener faire de l'acrobranche si vous n'êtes pas capable de le faire. Un minimum de logique. Non, par exemple, si je pouvais faire, j'ai vu, alors je sais plus où c'est exactement. On peut aller se promener dans les cimes des arbres. Il y a tout un parcours sur des pontons en bois. Alors, il faudrait que je teste ça, mais ça m'intéresse parce que du coup, si c'est vraiment accessible au fauteuil, ça peut être assez intéressant de faire des circuits avec ça. Voilà, je sais que j'ai la base nautique à Plopsheim qui ont un catamaran adapté à des personnes à mobilité réduite. Donc là aussi, ça peut être une idée d'activité sur une journée. Voilà, c'est des idées que j'ai en tête qui viennent là tout de suite et que j'aimerais pouvoir proposer. Bon, c'est intéressant comme développement. Après, bon, comme tu l'as très bien dit, ça fait un an que vous existez, donc vous avez largement le temps de vous Bien sûr. développer. Bien sûr. Moi, j'en profite peut-être pour ceux qui nous regardent. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu t'es lancé justement dans la création de ton association à une période où donc il y avait le confinement, tout ça. Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui s'intéresseraient, donner des conseils aussi pour ceux qui aimeraient se lancer dans la création d'une association? Faut pas avoir peur. Ça fait peur comme ça. On dit, ouais, je vais lancer mon truc. Il y a les démarches. C'est vrai qu'il faut trouver 7 personnes en Alsace. C'est ce régime un peu particulier où faut qu'on soit 7 membres fondateurs. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais quand on croit à quelque chose, je pense que c'est possible de le faire. Faut pas avoir peur. Et puis, voilà, j'ai trouvé de très bons conseils à la maison des associations. Il y a des gens qui m'ont reçu, qui m'ont donné des livrets, par exemple, le mouvement associatif. J'ai créé les statuts de Roulette et Voyage à partir de ces guides, en fait. Ça a été des vraies béquilles, en tout cas, pour moi. Super, oui, effectivement, à la maison des associations, vous pouvez retrouver pas mal d'informations à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à aller là-bas. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent. Si jamais vous avez des questions à poser à Amandine, que ce soit sur son parcours, son projet ou ses aventures, hein, n'hésitez pas. On les reprendra à la fin si jamais. Alors, je parlais du confinement juste avant. Justement, est-ce que toi, ton projet, tu l'as lancé pendant cette période de confinement, hein.
Est-ce que tu t'es dit que ça allait peut-être t'empêcher de faire des choses? Est-ce que ça a empêché de faire des choses de toute façon, puisque tout était fermé, donc je ne pouvais pas aller voir les prestataires touristiques pour me présenter. Voilà, la recherche de partenaires, elle ne pouvait pas se faire physiquement. Donc, en tout cas, c'est pour ça que j'ai essayé et j'ai fait quelques lives sur les réseaux sociaux pour essayer de faire connaître l'association au moins sur ce plan-là. C'est vrai que là, maintenant que tout est rouvert, ça va être plus facile pour nous d'y aller. En tout cas, de dire aux gens coucou, on est là, on existe pour de vrai, on n'est pas juste. Enfin, virtuellement présent, on est là aussi physiquement. Mais c'est vrai que bah, quand je suis allée, par exemple, créer le compte bancaire de Roulette et Voyage à la banque, mon conseiller m'a dit, mais en pleine crise sanitaire, vous n'avez pas peur, vous? Je lui ai dit, si je ne le fais pas là, je le fais quand? C'est justement la bonne période pour créer des projets, en fait. Bah effectivement, rapidement, si on se lance pendant qu'il y a la crise, quand la crise elle sera finie, votre projet il pourra enfin voilà. Décoller. Grâce au confinement, en tout cas, on peut se préparer correctement et avoir les bonnes clés, en tout cas, pour bien démarrer Roulette et Voyage et pas louper le coche. Une très bonne analyse de ta part. Sinon, au niveau du confinement, est-ce que toi personnellement tu as été touché? Est-ce que tu, je sais pas, comme beaucoup de personnes, je sais qu'il y en a qui ont eu des remises en question sur eux-mêmes par rapport à ce qu'ils faisaient. Est-ce que toi, au contraire, tu t'es dit ce que je fais, c'est la bonne chose. Il faut que je continue, même si tu peux pas sortir ou autre. T'avais de l'énergie pour travailler. Comment tu t'es senti toi personnellement? Alors, bon, du coup, vu que j'ai commencé qu'à travailler qu'en février, le premier confinement, en fait, je préparais le concours d'assistante sociale. Donc, ce concours, je l'ai obtenu, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'alternance qui me permette d'y aller, quoi, dans cette formation. Donc, c'est vrai que le premier confinement, j'étais complètement chamboulée parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Et voilà, au niveau, parce que du coup, pour faire le concours d'assistante sociale, je suis rentrée dans un dispositif qui s'appelle Oasis Handicap, qui permet aux personnes handicapées de préparer les concours des métiers du secteur social. Donc, c'est vrai que même eux, ils savaient pas trop comment on allait faire. Enfin, un coup, on passait les euros, après, on passait plus, c'était sélection sur dossier. Donc, tous les jours, il y avait une info qui tombait. Donc, c'est vrai que c'était assez perturbant. Puis du coup, le fait que je ne sois pas rentrée en formation sur le deuxième confinement, je me suis dit, allez, hop, tu lances Roulette et Voyage. J'ai fait du bénévolat auprès de personnes âgées téléphoniquement. Toutes les semaines, j'ai appelé des personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles, papoter. C'était juste ça, des fois, juste leur demander comment ça allait. On se lançait dans des discussions, créer du lien, voilà. Bah écoute, c'est cool comme initiative et comme action de faire ce genre de choses. Et c'est bien de garder le lien avec les personnes d'une certaine manière. Est-ce que par rapport à ça, t'as eu l'impression peut-être autour de toi d'être je sais pas comment dire, un espèce de moteur ou quelque chose comme ça, où les gens te disaient ouais, ce que tu fais c'est incroyable ou pas? Ah oui, j'ai déjà eu, par exemple, dans le bénévolat que j'ai fait avec les personnes âgées, c'était surtout des femmes, et j'ai eu des dames qui m'ont dit, Amandine, c'est génial ce que vous faites, faut des gens comme vous qui bougent dans le monde du handicap, et voilà. C'est vachement valorisant et c'est vachement encourageant aussi. De se dire, moi je sais que j'ai toujours dit, je fais Roulette et Voyage, c'est pas pour moi directement, c'est pour faire profiter aux autres, à des personnes en situation de handicap qui seraient en foyer, par exemple, qui sortent pas ou qui n'ont pas la chance de pouvoir faire tout ce que j'ai fait comme activité, de pouvoir aussi en profiter. Super. Alors, je te propose de continuer un petit peu. Donc là, tu nous as parlé de tes passions, de tes voyages, de ton association. Est-ce que au niveau des projets futurs, tu as des projets futurs pour toi ou personnellement ou professionnellement, comment tu te projettes d'ici un an ou deux? Alors, je sais pas trop au niveau du boulot parce qu'en tout cas là c'est un CDD.
donc jusque fin juillet. Donc, il y aurait une possibilité de renouveler, mais sur un autre poste, pas sur celui que j'occupe actuellement. Donc, c'est vrai que ce serait un CDI, donc ce serait bien pour moi en tout cas. Mais après, voilà, après, pour Roulette et Voyage, bon, on va mettre les choses en place, on va commencer à faire des petits circuits dans Strasbourg et essayer de développer après l'association sur une plus grande partie de l'Alsace. Est-ce que toi, personnellement, tu as prévu de repartir en voyage, justement? Ah oui, j'en ai besoin. Bah, tu as déjà une destination de prévue? Alors, avec mon chéri, là, on s'était dit que pour cet été, pour juillet, par exemple, on pourrait partir sur Lyon. Il est originaire de là-bas, donc voilà, partir un petit peu sur Lyon. Après, j'ai pas de gros voyages en tête, pas encore pour le moment, mais c'est vrai que rien que le fait de repartir un petit peu à Lyon, genre de grande ville, ça ferait du bien. Se dire, ça y est, on peut ressortir, on peut revoyager, sauter dans le premier TGV et puis voilà. Super. Alors, je te propose de passer à la phase de questions-réponses. Hein. Donc, pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer d'y répondre. Moi, j'avais une première question qui est tout simplement donc au niveau des circuits que vous proposez, voilà, au niveau de l'Alsace, hein, puisque pour l'instant, vous êtes axé sur l'Alsace, ce qui est tout à fait normal. Ce serait quoi un petit peu le circuit que tu pourrais proposer à des gens qui ont envie de découvrir l'Alsace? Bah, c'est peut-être un petit peu classique, mais faire une balade autour de bon, déjà dans Strasbourg, c'est déjà une ville, une grosse ville, voilà, à découvrir aussi quand on connaît pas. Après, sur l'Alsace, des balades sur la route des vins, par exemple. Voir s'il y a possibilité sur des parties viticoles de pouvoir proposer des pique-niques. J'aimerais bien faire ce genre d'activité pour rouler tes voyages. Si c'est accessible à des fauteuils, pourquoi pas. Est-ce que tu as déjà fait la route des vins personnellement? Oh oui, j'en ai fait un petit bout, ouais. Et est-ce que tu as profiter de la route de manière raisonnable ou déraisonnable? Ah non, quand même, il faut être raisonnable. Surtout en déambulateur, parce qu'après le déambulateur, il... Bon, pour n'importe qui, il faut savoir rester raisonnable. Au niveau de la route des vins, c'est quoi l'endroit que tu préférerais Alors, il y a des petits villages que j'aime beaucoup, hein, comme Réguire, Ribeauvillé. Enfin, moi, c'est des villages qui me plaisent beaucoup, surtout à la période de Noël. J'aime beaucoup la période de Noël. Voilà, les marchés de Noël, l'ambiance, les odeurs, les lumières. Moi, j'adore ça. Donc, voilà, c'est des petites choses que j'aime beaucoup. Puis, c'est des très beaux villages à découvrir, été comme hiver d'ailleurs. Donc, voilà, faut pas hésiter à aller flâner. Je reviens rapidement au niveau de l'association. Donc, ben, tu disais il faut être 7 personnes. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi de convaincre les personnes qui t'ont accompagné là-dessus, ou ils ont tout de suite dit « ouais, on y va ». Alors, ça a été un petit peu compliqué parce que les gens, ils ont envie de s'engager, mais n'osent pas forcément tout de suite. C'est oui, ouais, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse concrètement? Moi, j'avais vraiment besoin de 7 personnes pour créer les statuts. Après, c'est surtout des prête-noms. Mm-hmm. D'ailleurs, je remercie les copains qui ont posé leur signature pour pouvoir m'aider à développer Roulette et Voyage. En vrai, on est 4 à vraiment bosser dessus, vraiment, vraiment. Le reste sert de prête-noms, et voilà. Ils ont apporté leur soutien comme ils pouvaient. Mais voilà, c'est vrai que dire, bon, ben voilà, moi, en tant que personne handicapée, je veux faire des circuits pour des personnes handicapées. Des fois, on a peut-être envie de se dire, c'est un petit peu casse-gueule, ce truc. Mm-hmm. Et pourquoi pas. Mm-hmm. Mais souvent, quand on parle de roulettes et voyages, les gens sont assez réceptifs et dans le bon sens. Alors, à tout hasard, est-ce que tu connaîtrais aussi l'association Nous Aussi? Non, pas du tout.
qui est une association constituée uniquement de personnes en situation de handicap pour les personnes en situation de handicap. Où, c'est un peu comme Roulette et Voyage, hein, l'objectif c'est de se représenter soi-même et de se défendre soi-même. D'accord. Ils doivent être une quinzaine ou une vingtaine de membres actuellement sur Strasbourg. Bon, c'est quelque D'accord. chose qui est au niveau national. Hein. Donc c'est une association qui pourrait être intéressante de rencontrer pour toi. Bah oui, complètement, ouais. Puisque ils font pas mal de choses. Et il y a 2 semaines, j'avais Nicole et Nicolas qui sont aussi. Ouais, j'ai vu, ouais. En situation de handicap. Je ne sais pas si tu les connaissais déjà, puisque Nicolas. Je les ai découverts grâce à toi, du coup, mais je les connaissais pas. Voilà, j'avais jamais entendu parler avant. Alors Nicolas, salut à lui, hein, qui voyage beaucoup aussi, qui pourrait sans doute être intéressant. Oui, complètement. Des échanges d'expériences, des partages comme ça. Moi, j'adore aller discuter avec les gens et pourquoi pas faire un partenariat avec Roulette et Voyage. Hein. J'ai lancé la bouteille à la mer, pourquoi pas. Hein. Alors Nicolas, je crois que ce week-end, normalement, il part faire un espèce de tour de France. Où il part de Strasbourg, alors je sais plus si. Ah, mais oui, c'est Nicolas Linder, oui, je connais. Ah, oui. Voilà, donc Nicolas, qui effectivement, ça pourrait être assez intéressant de. Bah, est-ce que justement, dans votre plan de développement, vous avez pensé à ce genre de choses, aux synergies, à essayer de. Avec Nicolas, justement, on avait déjà dit. Pourquoi pas, et j'ai participé avec lui quand il faisait partie de l'association Ivoire, je crois, qu'on avait fait un circuit dans Strasbourg avec des audioguides. Moi, ça ne m'a jamais fait peur de dire, allez, on mélange un petit peu les pathos, les typologies de handicap, et on y va. Parce qu'au final, il y a des gens qui ont... par exemple, Nicolas, il a son spina bifida, mais il est malvoyant, ça fait partie d'handicap moteur quand même. Voilà, c'est pourquoi pas aller dans ces échanges-là. Après, je ne suis pas spécialiste non plus des autres typologies de handicap. Donc, c'est vrai qu'il faut bosser. Moi, forcément, je suis handicapée moteur, donc je vais prêcher pour ma paroisse, entre guillemets, et je reste à ce que je connais. Puisqu'après, je pense que ça peut être un petit peu, pas dangereux dans le sens vraiment dangereux, mais peut-être de faire des choses qui ne correspondent pas ou qui peuvent... à d'autres typologies de handicap. Effectivement, dans vos projets de circuit, vous pensez quand même aussi vous développer sur tous les autres types de handicap pour permettre à tout le monde de pouvoir voyager. Si on peut, oui. Alors, c'est vrai que ça fait un peu ambitieux, dit comme ça, hein, mais si effectivement, avec le biais de partenariats, si des gens nous expliquent, nous forment sur comment fonctionnent les autres typologies de handicap, pourquoi pas? Je pense qu'il ne faut pas non plus rester cloisonné parce qu'à un moment, ça pourrait bien nous porter préjudice. Oui, alors, il faut savoir être un petit peu ambitieux quand même dans la vie, sinon... Oui, bien sûr. Effectivement. Donc, c'est super de vouloir... Enfin, d'avoir au moins comme projet de se développer, c'est super. Alors, on est à plus de 30 minutes de live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Ah, pas du tout. Oui, personne. Je suis le seul à me rendre compte du temps qui passe. Alors, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez une dernière question, on essaiera de la prendre avant d'arrêter. Moi, en tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce live avec moi. Est-ce que tu aurais pour l'invitation surtout. Bah, merci d'avoir répondu à mon invitation. Oui. Est-ce que tu aurais une dernière remarque ou une dernière chose à dire pour ceux qui nous regardent? Bah, surtout, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de Roulette et Voyage. N'hésitez pas à m'écrire parce que je répondrai avec grand plaisir. Ok, super. Bon, voilà, Roulette et Voyage, de toute façon, c'est Roulette avec un S et Voyage avec un S, si je ne m'abuse. Il y a des S de tous les côtés.
Et donc, bon, voilà, si vous tapez Roulette et Voyage sur Facebook ou autre, normalement, je pense... On a un lien YouTube, on a un site internet, on a Facebook, on a Instagram. Enfin, c'est facile de nous trouver. Alors, moi, je te remercie. Je remercie les personnes qui nous ont regardées. Salut à Mélodie qui dit bravo à Amandine. Oui. Notre community manager préféré et adoré. Alors, pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle que la vidéo sera mise en replay directement sur Facebook. Donc, vous pourrez continuer de poser vos questions et vous pourrez la retrouver aussi sur YouTube à partir de demain. Et le prochain Femme Inspirante, ça sera un mercredi avec Coraline qui nous parlera elle aussi de son parcours. Moi, en tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir participé avec moi à ce live. Et on est lundi soir, il va bientôt être 20h. Je profite pour dire bon appétit à tout le monde. Bon appétit tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve mercredi. Ciao.